Le talk show du dimanche midi, vous connaissez le rendez-vous que les Français préfèrent. Je suis avec mes deux polémistes aujourd'hui. Ils vont réagir avec les invités qui vont se succéder sur le plateau. Ma première invitée était venue il y a 6 mois nous parler de son travail, de son déménagement. Aujourd'hui, elle va nous parler de son nouveau petit copain. Voici Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour à tous. Alors Jordan, c'est le nom de votre nouveau petit copain. Moi, je vous le dis cash, j'apprécie votre nouveau mec. Bah merci beaucoup. Avec lui, on passe un bon moment, on se prend pas la tête avec lui. Je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. Bien, alors comment en êtes-vous venu à rencontrer ce Jordan ? Eh bien, c'était un dîner chez une amie qu'on a en commun. À la base, ça devait être un petit projet, une nuit ou deux, pas plus, un truc un peu secret. Et puis finalement, j'ai été très emballée et ça fait 5 mois que je suis dessus. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour venir vous le présenter. Eh bien écoute, ça nous fait très plaisir. Une réaction peut-être de mes polémistes. Oui, alors moi j'aurais déjà une première question. Le travail, ça va ? Oui, ça va. S'il y a un jour un problème d'argent, faudra nous en parler, hein ? Oui, t'inquiète pas, maman. Très bien, donc moi, j'ai pas forcément beaucoup aimé votre mec et je vais vous dire pourquoi. Vous nous aviez habitués à des mecs plutôt sobres, assez classe. Je me souviens de Jérémy. Bon, il était peut-être un petit peu plus commercial. Oui, il était commercial dans une entreprise d'import-export à La Défense. Et là, votre Jordan, j'ai pas compris. Personnellement, je l'ai trouvé plutôt plat, il m'a pas fait rire. Son métier d'assureur m'a pas du tout intéressé. Et puis, physiquement, vous nous aviez habitués à mieux. Par contre, j'ai une question, Clarisse. Combien est-ce qu'il gagne par mois ? C'est une question très personnelle à laquelle j'ai pas du tout envie de répondre. Sinon, Clarisse, dis-nous peut-être déjà s'il baisse bien. Hein ? Eh. Non mais alors pourquoi venir si c'est pour faire la langue de bois ? On a bien le droit de savoir, non ? J'en parle si je veux. Mais au mollo, hein ? On parle pas comme ça à sa mère, je suis pas votre copine. Non mais vous le jugez alors que vous le connaissez même hop, pas. Hop, je vais détendre un peu l'atmosphère avec un petit dessin de Lucas. Vous le connaissez, c'est le fils de Christian. Il regarde l'émission, il nous a fait un petit dessin très sympathique, on le regarde tout de suite. Ah c'est subversif, hein. Une réaction papa peut-être ? Hein ? Oui, tu pourrais regarder ce qui déconne sur mon portable parce que j'arrive plus à envoyer de photos. Mais c'est pas le débat là. On voit que c'est pas toi qui l'a payé, hein. Eh, 600 balles cette merde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se regarder un extrait vidéo de votre nouveau copain. Vous êtes ensemble depuis le 16 janvier. Il s'appelle Jordan. Ah, attends, merde, c'est une vidéo. Ouais, enfin là, c'était pas le meilleur extrait, c'est pas très représentatif. Bah tiens. Mais vous prenez 10 secondes sur une relation de 5 mois sortie de son contexte. Évidemment que ça a l'air mais un vous peu l'avez ridicule. Vu, vous l'avez mais vous pensez que vous savez vous ce qui est mieux pour moi, c'est ça ? Écoutez-moi. S'il vous plaît, mais non ! Pourquoi stop. J'ai une question à poser suite à ces très belles images. Bon, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Enlève tes chaussures alors. Ce sera plus hygiénique. Bon. Les pieds dans le plat et ça pue et tout après. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez le projet de vous installer avec ce petit ami. C'est une possibilité, si tout se passe bien, je pense que oui. Après, c'est encore très très tôt pour le dire. Aujourd'hui, je fais la promo chez vous. La semaine prochaine, je vais aller sur le plateau de Nat et Laetitia, mes collègues de bureau. Et puis, la semaine d'après, un public un peu plus large pourra donner son avis puisqu'on va se mettre en couple sur Facebook. Donc, c'est ça votre idée de l'engagement ? Non mais c'est pas étonnant que vous nous présentiez un nouveau petit ami toutes les semaines. De toute façon, vous comprenez rien. Ça sert à rien de parler avec vous, vous êtes chiant. On ne quitte pas la table sans demander la permission, jeune fille. Clarisse Le Gorge, je le répéterai pas 2 fois. Hein. Non mais, et toi, tu dis rien. Hein ? Oui. Dis donc. Vous connaissez la blague des deux putes sur un voilier ? Ah, s'il te plaît, Christian. Vous connaissez, celle-là. Mais bon, en même temps, c'est ça, l'esprit repas de famille. Merci à Clarisse d'être venue. On va se retrouver juste après la pub avec ma sœur qui va revenir sur la controverse suscitée par son tatouage tribal en bas du dos. À tout de suite. À tout de suite.